J'espère que vous allez bien. Alors aussi, il fait un peu chaud, malgré qu'on ait un temps pas terrible, mais il fait chaud. Enfin, il fait bon. Voilà. Alors, on se retrouve. C'est pour ça que j'ai attaché mes cheveux parce que j'avais un peu trop chaud. Donc, on se retrouve pour un haul. Alors, un haul un peu particulier, ça n'a rien à faire là. Hein. Parce que je n'ai pas acheté que du scrap. Voilà. J'ai acheté plein de choses, mais pas que du scrap. Donc, on va commencer par cette petite étagère-là. Hein? Alors, cette petite étagère-là va aller donc là, enfin sur le côté, là. Hein, par là. Là. Et c'est pour y mettre toutes les petites babioles hein, qui traînent toujours sur mon bureau pour essayer de vous faire des vidéos un petit peu moins bazardiques. Voilà. Donc, j'ai acheté. D'abord à Action. Alors ça, c'est 6,99€ d'ailleurs, le prix. Stokomani. C'est pas Stokomani. Comment ça s'appelle? Maxi Plus. Voilà. On se relève. Maxi Plus. Hein? Alors que je fais rousse, alors que je suis pas rousse. Bon, bref, vous pouvez chercher. Donc, j'ai pris. Alors d'abord, je me suis commandé un stylo aquarellable Stamperia. Voilà. Donc, je l'ai essayé déjà. Ça, c'est du tonnerre. Hein. C'était dans les 3 euros et quelques. Je me suis reprise des mousses comme ça chez Action. Voilà. J'ai pris aussi. Non, ça c'est pas ça. C'est là. J'ai pris aussi une perforatrice. Non, ça c'est pas Action non plus. Là, c'est ça Action. Non, je m'ai pris. Ces dailles-là, si je voulais monter à l'endroit, ce sera mieux, comme ça. Ça, c'est pour faire l'effet couture que j'ai pris ça. Voilà. Ensuite, alors, j'ai pris des feutres caméléon. Donc, j'ai pris ces couleurs-là, ceux-là et ceux-là. Je voulais dans les tons marron. Mais j'ai pas trouvé. Donc ce sera peut-être pour la prochaine fois. Ça c'est pour une amie parce que moi je suis pas trop attirée par ça. Enfin pas pour l'instant toujours. Donc je vais me mettre de côté. Ensuite, j'ai pris. Alors, attendez, je descends ça. Sans ça, on va rien voir. Ça c'est ma page de scrap. Voilà. Donc, ensuite, j'ai pris cette petite valise, comme ça, où dedans il y a les aquarium cœur. Voilà, du ménage en même temps. J'ai repris des lingettes. Ça c'est pour mes mimines, n'est-ce pas? Alors, je vais vous montrer la boîte après. Et je me suis pris un cahier comme ça pour mettre. Alors, je vous baisse. Je vous recule. Voilà, je sais pas comment. Je sais pas ce qu'on a fait avec mon trépied là. Bon, voilà. Pour mettre, donc. Vous vous souvenez, on a fait une page comme ça. Et je vais venir la coller là. Voilà. Bon, c'est pour mettre les pages que je vais faire dedans. Voilà. Hein? Donc, ça sera parfait. Voilà. Puis, comme ça, ça me permettra de les ranger, ces pages-là. Alors, peut-être qu'à force, ça va s'agrandir. Donc, je ferai peut-être sauter 2 ou 3 pages en fonction de. Voilà. Ensuite, j'ai pris des cartouches de gaz.
parce qu'il nous est arrivé une petite aventure. C'est que, avant-hier, on a été pour faire à manger. Rien d'extraordinaire. Et on était en train de faire des pâtes. Et comment vous dire que nous sommes tombés en panne de gaz? Donc, mon mari avait la flemme de se déplacer. Et il était 21h, je le comprends un peu. Et on dit, puisque c'est ça, on va aller chercher le gaz dans le camping-car. Comment vous dire que le réchaud a marché 2 minutes? Il n'y avait plus de gaz. Donc, on a fini par manger des pâtes bizarres. Enfin, bon, bref. Donc, j'ai pris des petites cartouches comme ça qui vont dans le réchaud. D'habitude, j'en ai toujours. Là, pourquoi j'en avais pas? J'en sais strictement rien. J'ai pris des lingettes pour nettoyer les lunettes. Voilà. Et donc, je vous montre. Ça, c'est pas action. Donc, je vous montre. Hop, on descend. Hop, on descend. Je vous mets là. Donc, ça se tient avec des gros élastiques. Alors, c'est 8,95 €. Ça, c'est dangereux. Voilà. Donc, ça tient par des gros élastiques. Oh, je ne sais pas combien de temps les élastiques vont durer. Mais enfin, bon, bref. En quoi que ça a l'air d'être assez, assez costaud. Et ça se présente avec une petite poignée. Vous soulevez la petite poignée et vous avez plein de feutres. Voilà, ceux-là, ce sont des twin markers. Il y en a 12. Voilà, j'aurais dû regarder, mais sur le packaging, évidemment, je n'ai pas regardé. Donc, ce sont des twin markers ordinaires. Je vais regarder, mais ils ont l'air comme les autres. Donc, une pointe pinceau et une pointe fine. Bon, c'est les mêmes que l'on a dans les autres packagings. Nous avons les aquamarqueurs. Alors, vous savez mon amour pour les aquamarqueurs. Hein. J'adore les aquamarqueurs. Par contre, ils auraient pu faire un effort sur le rangement. Ça, c'est Titop, hein, les aquamarqueurs. Moi, je me raffole. Hein. Je suis une dingue d'aquamarqueurs. Hein. J'ai déjà toute une série, là. Et, alors, pourquoi, vous allez me dire, mais Béa, si tu en as une série, pourquoi faire? En fait, c'est pour mettre dans le camping-car. Parce que je n'ai pas forcément envie de me trimballer tous les rangements. Je fais mon ménage. Hein. Moi, c'est pour vous montrer les couleurs, en fait. Alors, j'ai plus d'ongles. Voilà. Alors, celui-là, il est bizarre. Ouais, il est bizarre, le bouchon. Hein. Ouais, il est bizarre, le bouchon. Par contre, ça n'a pas l'air d'avoir coulé. Enfin, bon, bref. Voilà. Et voilà. Donc, nous avons 12 aquamarqueurs. Aquamarqueurs, ouais. Et nous avons 12 crayons de couleur. Voilà. Voilà. Ils sont très jolis. Alors moi j'aime bien, j'ai toujours d'ailleurs, j'avais les crayons de couleur qu'ils avaient fait par boîte de 36. C'était très très bien, alors ceux-là. Donc j'ai pris ça. Donc, le petit rangement, c'est pratique parce qu'apparemment, ça a l'air de s'enclencher. Donc, voilà. Donc, le petit rangement, c'est top. Alors, j'étais étonnée qu'ils aient une nouveauté chez nous. Hein, parce que chez nous, les nouveautés arrivent 6 mois après tout le monde. Enfin, bon, bref. Là, pour une fois, ils y étaient. Voilà. Donc, c'est sympa. C'est sympa comme packaging, c'est sympa. Voilà, donc ça, hop, dans le camping-car. Ensuite, on va passer à Nose. Alors, à Nose, j'ai acheté. On se relève. J'ai acheté une pompe de douche.
Pour cause, c'est que la mienne, elle s'est bouchée. D'un seul coup, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Donc, je reprends mon petit bac parce que j'ai tout mis dedans. On va mettre ça là. Donc, j'ai pris aussi. Il y avait une adorable petite perforatrice comme ça, Artemio à 1,50€. Voilà. Avec un petit ours dessus, j'ai trouvé ça super. Et comme j'ai en prévision l'album Naissance de mon fils, donc ça va me servir. Ensuite, toujours dans la même optique, j'ai pris des cabochons. Voilà. Donc il y a ceux-là, 1,50€. Et j'ai cela. Voilà. Voilà. J'ai trouvé. Alors, je vous rassure, je ne vais pas mettre ça sur ma peau. Parce que je ne sais pas si c'est périmé ou pas. Vu que ce n'est pas marqué. Mais je vais m'en servir autrement. Donc, un petit fard. Enfin, c'est un petit. Bon. Faudra que je vois comment on l'ouvre. Bah écoutez, je pense vous avoir tout dit. Donc je n'ai rien trouvé d'extraordinaire. Hein, à part ça. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal. On se retrouve pour une balle. Là, tout de suite, là, après ça. Et puis on va certainement se retrouver pour une création ou alors de l'art journal, je sais pas encore, parce que mon mari va pas tarder, donc ça, bah, ce sera pour demain. Voilà, donc sur le ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir. Ah, je vous l'oubliais, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, vous êtes les bienvenus, hein, on va bien s'amuser. Allez, bisous, je vous embrasse. Au revoir, je vous aime.